Bonsoir, bonsoir. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Comme d'habitude, je vous rencontre ce soir pour un petit direct ensemble. J'ai pris quelques notes, comme toujours. Donc, on va échanger encore comme hier. Donc, pour ceux qui sont connectés, n'hésitez pas de partager l'information aux autres pour qu'ils viennent nous rejoindre et que nous échangeons encore comme d'habitude. J'espère pour la plupart d'entre vous que vous avez passé un bon temps. Vous voyez le temps derrière moi. C'est ça qui va déterminer notre timing aujourd'hui. Confirmez-moi déjà si le son est bon à votre niveau. Attendez que je vérifie à mon niveau si le son est bon. Et dès que le son est confirmé, là, on lance. Je donne les titres et nous lançons notre rencontre. La rencontre de la nuit. Nous sommes les hominés, les hominés nocturnés. Donc, Wilson est présent. Bonsoir à Je toi, donne les Wilson. titres et nous Bonsoir à lançons toi, Njui. J'espère que notre tu vas bien. rencontre. La rencontre Jama, de la nuit. bonsoir à toi. Ou bien, bonne Nous nuit. sommes les hominés Kevin, nocturnes. bonsoir. Paulin, bonsoir. Sami Tanke, Donc, bonsoir à toi. nous sommes confirmés. Kanto Junior, Wilson est bonsoir à présent. toi. Bonsoir à toi, Wilson. Bobo Douala. Salut à toi, Bonsoir j'espère à que tu vas toi, bien. Njui. J'espère que tu vas bien. Brigitte, Jama, bonsoir à bonjour. toi. Ou bien Tous ceux qui Brigitte, sont ou là, vous bien êtes 64, vous imaginez que je ne vais Kevin, pas citer tous les bonsoir. noms. Souris, bonsoir Kevin, à toi. bonsoir. Sami Bonsoir à Tanke, tous ceux qui bonsoir à sont toi. là. Kanto Junior, bonsoir à toi. Bobo Oui, Douala. le son est bon. Le son est bon. Donc là, on peut commencer. On peut commencer. Alors, je préfère vous dire, avant que nous ne commencions, que les prochaines vidéos que je vais faire, ce sera à vous. Ce sera à vous. Non, je crois que c'est ta voiture qui dérange, Ngale. Moi, j'ai un très bon son ici chez moi. Salut à toi. J'espère que tu vas bien. Brigitte, Jama, bonsoir à bonjour. toi. Tous ceux qui sont là, vous êtes 64. Vous imaginez que je ne vais pas citer tous les noms. Souris, vais faire. Ce sera à vous. Le son est parfait. Donc, j'ai vérifié. Le son est parfait. Alors, partagez, partagez au maximum. Pour ceux qui viennent d'arriver, juste pour que vous sachiez, nous allons parler aujourd'hui. Regardez le titre et vous comprendrez de quoi nous parlons aujourd'hui. C'est pour éviter que des gens apparaissent, les commencent encore à me dire Stevie, de quoi on parle aujourd'hui, c'est quoi le titre? La plupart de mes vidéos sont titrées, donc vous comprendrez directement. Alors, donc aujourd'hui, je me suis posé la question de savoir pourquoi on va à l'école. C'est pour apprendre certainement. Mais qu'est-ce qu'on apprend en réalité dans ces écoles? Qu'est-ce qu'on apprend dans ces écoles? Comment est-ce que l'école change nos vies? Comment est-ce que les connaissances que nous partons prendre à l'école comment dire, contribuent à améliorer notre existence? Comment est-ce que les connaissances que nous allons chercher dans les écoles permettent d'améliorer notre condition de vie sur Terre? Est-ce que c'est l'école qui est l'élément fondamental qui permet à ce que nous vivions mieux? Est-ce que c'est l'école qui permet que les conditions de vie de certaines personnes soient meilleures que pour d'autres personnes? La réponse est non. Parce qu'il y en a qui n'ont pas fait d'école, qui n'ont pas fait de grandes études. D'ailleurs, au Cameroun, on a enterré l'une de ces personnes qui n'a pas fait de grandes études, mais qui a été parmi les Camerounais les plus riches de l'histoire du Cameroun. Je parle de Fotso. Vous voyez que forcément, ce n'est pas dans l'école qui détermine l'aisance, la condition ou bien la façon dont on va vivre sur Terre. C'est l'argent qui détermine. Alors, qu'est-ce que l'argent représente? Alors, voilà autant de questions que je me suis posées aujourd'hui. Et vous voyez que l'argent détermine une caisse, ça donne une certaine liberté aux personnes. Beaucoup disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais il faut qu'on avoue entre nous aussi que l'argent contribue en quelque sorte au bonheur. D'autre part, je vous ai parlé des écoles, mais je me suis rendu compte qu'il y a une des écoles les plus pratiques dans la vie. Il y a une des écoles les plus pragmatiques dans la vie. Il y a une école que nous avons chaque jour à nos yeux. Nous rencontrons cette école au moins chaque citoyen du monde, homme, femme, enfant,
Père-mère, sont sûrs d'avoir fréquenté cette école dans leur vie. C'est l'école de la douleur, c'est l'école de la souffrance, c'est l'école du contact avec le réel. Et c'est de cette école que je veux que nous parlions aujourd'hui. Alors, Je crois que c'est ta voiture qui dérange. aujourd'hui, dans notre direct de ce soir, je vais vous démontrer ce soir que l'école que nous faisons, la meilleure école, c'est ce que nous enseignent les morts. Ça a l'air banal quand c'est dit ainsi, mais je vais vous démontrer dans ce direct que la vraie école est celle-là que nous inspirent les morts. Alors, je vais vous dire un truc. J'ai commencé bizarrement en prenant quelques notes aujourd'hui quand je me rendais compte que, mais effectivement, c'est d'une vérité incroyable. Parce que toute personne qui va devant le cimetière, qui va devant un cimetière, arrêtez d'avoir peur. Nous allons parler de la peur plus tard. Mais toute personne qui a déjà vu un cimetière un jour, pour ceux qui ont peur des cimetières, toute personne qui a déjà vu un être humain mort, une dépouille mortelle d'un être humain, un cadavre, comme on dit souvent, a eu au moins ça lit un chapitre de la vie. Et c'est tellement important de comprendre ça parce que les cimetières, les personnes qui sont mortes, les tombes, représentent les espoirs des personnes qui sont éteintes, représentent des actions qui n'ont pas été menées, représentent des tonnes et des tonnes de projets qui n'ont pas été réalisés. Donc quand vous partez dans les cimetières, les gens que vous voyez couchés là, ce ne sont pas seulement des personnes, ce sont des projets, ce sont des ambitions, ce sont des réalisations qui n'ont pas été abouties. Et c'est pour ça que cette école-là devrait amener chaque personne, chaque Camerounais que vous êtes, à comprendre que lui aussi peut être couché là-bas, que elle aussi aurait été là-bas, ou bien aurait pu être parmi ceux-là. Et à ce moment, qu'est-ce que vous avez donc appris de la vie? Parce que c'est quand la mort frappe à la porte que vous vous dites, il faut que je change ma façon de vivre. La preuve est que toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes, qui ont été confrontés à ce qu'on appelle, ça s'appelle comment, une façon d'appeler ça en langage scientifique, donnez-moi le temps de rafraîchir un peu mon cerveau. L'expérience, ils ont une façon d'appeler ça, l'expérience de vie au-delà de la mort. Ça veut dire qu'il y a des personnes parfois qui sont à la porte de la mort, qui vont, mais qui reviennent à leur corps. Une fois que ces individus reviennent, toute leur vie change. Si c'était des messieurs qui étaient égoïstes, infâmes, ils changent de vie. Pareil pour les femmes, pareil pour les jeunes. C'est pour ça que les enfants d'ailleurs qui ont été gravement malades, qui ont été proches de la mort, ils ont un rapport avec la vie tellement différent des rapports que les individus que nous sommes, qui ne connaissons pas cela, avant. Donc, les EVM, c'est ça l'expression, les EVM, l'expérience de la vie après la mort, voilà, sont des expériences qui changent l'être humain totalement. C'est pour ça même déjà qu'il faut comprendre que il y a un adage chez nous qui dit, le vieillard, ce que le vieillard voit étant assis, le jeune, même debout, ne le voit pas. Ce n'est pas parce que le vieillard est trop sage, non. C'est parce que le vieillard se rapproche de la mort. Parce que quand on se rapproche vers la mort, la mort est l'unique vérité qu'il y a sur terre. Parce qu'une fois que tu es né, la certitude que tu peux avoir, c'est que tu vas mourir. Voilà, il y a aussi les EMI, il y a aussi les EMI, mais on va parler de ça. Les EMI, expérience de la mort imminente, je crois que c'est ça. C'est une expérience qui se fait quand quelqu'un n'est pas mort. C'est quand la mort, comme le dit, est imminente. Et ça se caractérise parfois par des gens qui sont dans un état avancé de coma. Quand vous êtes dans une situation de choc, où votre cœur reçoit la peur de lâcher,
L'esprit et votre être reçoivent un choc. Il a peur, il se rend compte. Ouf, est-ce ma dernière heure? C'est ce choc-là parfois qui crée un rayon, ça crée une onde de vibration qui met parfois votre esprit et votre... Bon, c'est compliqué ça. Ça vous met dans un état d'esprit qui est différent de l'état d'esprit normal. Et à ce moment, vous pouvez capter des vibrations qu'un être humain, lambda, ne peut pas capter. Et ce que vous voyez en ces secondes-là, quand vous revenez à vous, vous voyez le monde différemment. Par contre, il y a des gens parfois dont le corps lâche même, dont le cœur lâche même, qui sont en phase de vie maintenue. Ce sont ceux-là qui peuvent donc vous dire des expériences de vie après la mort. Et ces individus, quand ils reviennent, ils ont des éléments palpables qu'ils ont vus. Ils ont même des relations, des rapports qu'ils ont eus avec des entités qui n'existent pas sur le plan physique. Et quand ils reviennent, leur vie est totalement différente. Ils deviennent généralement très calmes, posés. Ils mènent leur vie tranquillement. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent où ils veulent aller. Ils sont très posés. Et ce dont je vous parlais, en réalité, c'est pour vous dire que quand vous avez quelqu'un de vous, quelqu'un qui vous est proche, qui meurt, c'est quand vous regardez, quand on vous dit qu'il est mort, il y a trois étapes à retenir. La première étape, c'est le choc. Quoi? Il est mort? Vrai? De quoi est-il mort? Mais ça reste dans le formel. Quand quelqu'un est mort, il faut s'indigner. Après, qu'est-ce que je fais? Mais vous réalisez le pouvoir de la mort le jour que vous voyez sa dépouille. C'est pour ça que les gens parfois apprennent que tel est mort, mais ça ne leur fait pas mal. C'est quand ils voient le corps de la personne qu'on sort des glaçons, c'est où ils se rendent compte réellement, cette personne n'est plus parmi nous. Et c'est où on se rend compte à quel point la vie est importante. Et la mort, on sait qu'elle peut venir à tout moment. Et puisqu'on sait que la mort peut venir à tout moment, il reste une chose fondamentale. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne donc? Est-ce que la mort nous enseigne à dire allons boire les bières parce qu'on n'a qu'une seule vie? Ou bien est-ce qu'on veut laisser derrière nous une marque indélébile qui va changer la vie de nos enfants, qui va changer la vie de nos prochaines générations, qui va améliorer les conditions de vie de nos contemporains? Ne vous gênez pas, je ne suis dans la ligne toujours de mes vidéos, de mes lives que je fais, sauf que je suis en train de toucher un autre aspect. Je vous ai dit que dans mes lives, j'ai suivi des étapes, j'ai suivi des évolutions. Donc pour ceux qui me suivent depuis, vous allez savoir que je suis assez cohérent dans ma façon de présenter les choses. J'ai préparé les gens à comprendre qu'il y avait une importance, vraiment une urgence à s'indigner par rapport à ce qui s'est passé dans notre continent et au Cameroun en particulier. Aujourd'hui, je considère que les Camerounais savent exactement ce qui se passe de mal dans le Cameroun. Et je sais que les choses comme le non au gré à gré, c'est fondamental, mais c'est un combat politique. Les éléments comme on appelle ça quoi encore, l'expression de soi, la volonté de gagner sa liberté en tant qu'être humain, c'est ça qui est aujourd'hui mis en cause. Et cela, parce que le Camerounais n'a pas encore compris que ce n'est qu'en se libérant lui-même qu'il va libérer son pays. Il faut donc que je touche cette autre dimension-là, qui est le travail dans vous-même maintenant, que chaque Camerounais puisse lui-même faire ce qu'on appelle une introspection, pour revenir encore à l'expression qui a été utilisée par une connectée là, qui était la remise en question. Chaque Camerounais devrait faire ce qu'on appelle la remise en question. Et c'est à ça que je veux que nous aboutions, que nous aboutissions. Donc, l'expérience de la mort, donc, c'est l'exemple fondamental, même c'est la bonne école. C'est pour ça que je dis c'est une école qui enseigne plus que l'école fondamentale, l'école. Voilà, c'est ce qu'on rencontre partout. C'est ça, la vraie école que nous devons apprendre. Qu'est-ce que ça nous donne à faire? Un homme qui gère bien sa vie, c'est un homme qui a un testament lourd. C'est un homme qui a prévu ce qui va se passer après sa mort. Vous voyez que tout est basé sur la mort. Quand vous voyagez pour aller en diaspora, tout ce que vous faites, c'est parce que vous estimez que même si vous mourrez, il faut que votre dépouille puisse être expatriée ou bien renvoyé du côté de votre pays. C'est la mort qui conditionne beaucoup de choses. Vous voyez donc que ce qui fait peur aux êtres humains en réalité est un élément qui permet même à l'homme de mieux s'intégrer sur la terre.
C'est un élément qui permet à l'individu, à l'homme, à la femme, aux enfants de mieux s'élever et de profiter réellement de leur séjour sur terre. Alors, une fois qu'on a compris le symbole, le pouvoir de la mort, l'école de la mort, on n'a plus peur de la mort, mais on se prépare pour la mort. Et quand on se prépare pour la mort, on ne peut plus rester nuit à autrui. On ne peut plus, en tant que politicien, nuire aux hommes. On va plutôt essayer de faire que quand on parte, que les actions qu'on a posées permettent plutôt à ce qu'on parle bien de nous, à ce que les individus qui vont rester après nous puissent être contents d'avoir vécu avec nous dans la même ère. Regardez comment on parle de Tchékanta Diop aujourd'hui. Regardez comment on parle de Oum Niobé aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas le cas. Mais eux seuls savaient qu'une chose était sûre, c'est qu'ils allaient mourir. Et parce qu'ils savaient que même si ils échappaient aux Français, même s'ils échappaient à Idiot, ils allaient toujours mourir. La vie n'a de sens que par l'existence de la mort. C'est tellement propre. La vie n'a d'existence que par l'existence de la mort. C'est de ça qu'il est question. Donc, je voulais vous expliquer ça pour que vous compreniez que le rapport qu'on a avec la mort ne doit pas être un rapport de peur. Parce que vous sortiez pour les manifestations, pour libérer votre pays, ou que vous ne sortiez pas, vous allez mourir. Que les gens restent chez eux cloîtrés parce qu'ils ont peur de sortir, parce qu'ils se disent qu'en sortant, ils vont mourir, il faut que ces personnes comprennent. Allez leur dire à nos frères, à nos sœurs qui sont au pays, que qu'ils sortent ou qu'ils ne sortent pas, ils vont mourir. Mais en sortant, ils ont le mérite d'avoir fait quelque chose. Le jeune garçon qui reste au coin de la rue, qui voit une fille passer chaque temps, et la guette comme ça, il y a des gars parfois champions, ils ont des fenêtres parfois qu'ils ont presque déformées juste parce que quand une fille passe là, ils partent baisser un peu les rideaux pour guetter, voir la fille. C'est la voisine là qui passe. La personne, venez voir. Chaque temps, il le fait. Mais une fois qu'il est face à la fille, il ne peut pas aller vers elle. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Est-ce qu'il a peur parce qu'il va échouer? Il n'en sait rien. Est-ce qu'il a peur parce qu'il va réussir? Il n'en sait rien. Mais une chose est sûre, c'est que s'il va vers elle, il y a deux possibilités. Soit ça va marcher, soit ça va pas marcher. Mais ça ne va pas changer ce qu'il était avant. Au contraire, s'il est avec elle, ça peut améliorer sa condition. Si elle est avec lui, c'est bien. Si elle n'est pas avec lui, il sera resté le même. Il n'aura rien perdu. Le Camerounais qui reste chez lui, qui ne va pas dehors pour se battre pour la libération de son pays, qu'est-ce qu'il va perdre? Il va perdre qu'il n'a pas essayé. Qu'est-ce qu'il gagne s'il essaye? C'est qu'il aura au moins essayé. Donc, le bénéfice, l'avantage, c'est toujours mieux de se lancer dans quelque chose. Surtout quand on sait que ce pourquoi on se lance, c'est quelque chose de juste, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de nécessaire en réalité. Parce que nous, peuple africain, nous courons année après année vers notre libération. Mais est-ce que nous sommes prêts à assumer cette libération? Il y a des moments parfois où votre enfant à la maison crie et dit non, je veux si, je veux si, je veux si, je veux si, même si c'est le feu. Parfois, les parents avertis donnent même la liberté à leurs enfants d'aller toucher le feu. Parce qu'ils savent qu'une fois que l'enfant l'a touché le feu, ah, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Les gars, écrivez quand même joyeux anniversaire, c'est quand même en famille. Hein? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, mon frère. Donc, je te souhaite vraiment, vraiment, vraiment un très bel anniversaire. Et j'espère que tout le monde aura la gentillesse de te laisser un petit mot gentil. Donc, tu as fait un pas de plus vers la fin, quoi. Ou bien, comme tu veux, on peut voir ça comme on veut. Donc, c'est fondamentalement important pour chacun de comprendre que il y a toujours du mérite. Il y a toujours du mérite à. Il y a toujours du mérite à faire quelque chose. Rester sur place n'est jamais une solution. Il faut avancer, soit reculer, mais il faut être en mouvement. Parce que la terre est en mouvement. Parce que le soleil est en mouvement. Parce que la lune est en mouvement. Parce que les arbres sont en mouvement. J'ai dit même les arbres sont en mouvement. Le mouvement de croissance. La terre tourne.
Il y a la rotation, il y a la révolution. Tout ça se passe dans la Terre et tout ce qui est dans la Terre est en mouvement. Mais quand l'homme reste sur place, il ne met pas sa réflexion en marche, il n'avance pas. Donc c'est ça la stagnation. J'espère que vous avez compris en fait ce que je voulais dire quand je parlais donc des cimetières comme étant la plus grande école. Donc nous allons parler de la peur. Il faut que vous compreniez la peur. La peur, c'est quelque chose de fondamental pour l'homme. Je dis encore, la peur, c'est quelque chose de fondamental pour vous. C'est quelque chose de capital pour l'homme. Vous savez pourquoi? La peur est fondamentale pour l'être humain parce que la peur n'arrive que lorsqu'il y a absence de sécurité. La peur, c'est quand on a l'impression de ne pas être en sécurité quelque part. Et c'est quelque chose qui est fondamentalement important. Je vous explique pourquoi. Parce que ça rappelle à l'homme qu'il est vulnérable. Ça rappelle à l'homme qu'il peut mourir. Ça rappelle à l'homme que quelque chose peut lui arriver. Ça lui rappelle en d'autres termes que il n'est pas le maître absolu et qu'il y a des choses qui peuvent se passer qui ne sont pas dans le périmètre de son contrôle. C'est pour ça qu'on a peur. On a peur d'aller draguer une fille. On a peur d'aller au tableau écrire. On a peur de prendre une décision. On a peur d'assumer une décision. On a peur même d'être Camerounais. On a peur d'accepter qui on est. On a peur parfois de se voir nous-mêmes, de se regarder nous-mêmes dans un miroir. On a peur de voir un peuple dire qu'il ne nous aime pas. On a peur de faire une élection transparente. Tout ça pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui nous échappent. Parce qu'on sait qu'on n'a pas le contrôle de toutes choses. Et quand vous comprenez dans la peur, vous savez donc que les dictateurs ne sont pas en réalité des hommes puissants. Ce sont des hommes qui sont effrayés. Je reprends ce que je vous dis. Dans les États pleins de dictatures, dans les États autocrates, dans les États où il y a la barbarie et la sauvagerie, ce n'est pas la démonstration de la force de l'État, non. C'est l'État qui démontre sa peur, sa frayeur, son incapacité à avoir la tête froide. Parce que celui qui a la tête froide, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui est capable de s'asseoir et de réfléchir à comment élaborer une stratégie pour sortir d'une situation. Par contre, quand on a peur, on sursaute. Et vous savez, quand on a peur, on reste bloqué sur soi-même. Et quand on est bloqué sur soi-même, on n'avance pas. On ne recule pas. On ne va pas à droite. On ne va pas à gauche. On est statique. Et tout mouvement qui est statique est vulnérable et la proie est une proie potentielle. C'est pour ça que les animaux de la forêt, même quand ils sont chassés, poursuivis par des lions, des tigres, des panthères, ils prennent la fuite. C'est l'instinct de survie. Mais nous avons appris avec le temps à perdre notre instinct de survie. Nous avons appris avec le temps à donner notre instinct de survie aux autres. Nous avons peu à peu arrêté d'avoir besoin de revenir à la normale. C'est quoi la normale? C'est ce qu'on appelle l'état de nature. L'être humain comme il était au départ. Il courait dans la forêt avec les animaux sans que ça ne dérange aucun animal. Et aujourd'hui, on a tout rationalisé. On a tout rationalisé. On se pose la question de savoir, est-ce que je dois allaiter mon enfant jusqu'à l'âge de 2 ans? Est-ce que je dois travailler si je suis marié avec un milliardaire en tant que femme? Est-ce qu'il y aura ma dignité si je ne travaille pas? Est-ce que vous voyez toutes les questions basiques qu'on se pose? On se pose les questions de savoir, quand il y a un projet qui va développer tout un continent, on se demande, et moi, qu'est-ce que je gagne dedans? Moi, quoi dedans? Qu'est-ce que je gagne dedans? Donc, vous voyez que, voilà les questions qui ont, voilà la peur de perdre ce qu'on a, la peur d'avoir toujours, de ne pas être celui-là qu'on va voir. La peur de ne pas être devant les projecteurs, la peur de ne pas être le centre de tout, la peur de ne pas être le nombril du monde a amené l'homme à des actions qui n'avaient pas de sens. Et dans notre révolution, dans notre marche vers la liberté, nous les Noirs, nous avons peur de voir que le combat que nous avons engagé pour libérer l'Afrique soit gagné par un autre frère, pas nous. Nous avons peur de voir que la marche que nous avons engagée vers la libération des peuples africains soit réussie par telle organisation et non la nôtre. Nous voulons toujours être au centre de tout. L'égoïsme personnalisé, personnifié, amène l'homme noir que nous sommes à parfois
se démarquer de ce que nous devions normalement faire. Et pourtant, dans la peur aussi que je viens, dont je viens de vous parler, il y a quelque chose de fondamental qu'on peut tirer comme conséquence. La peur nous amène à comprendre que nous sommes exposés. Nous sommes sur terre et nous avons besoin de soutien pour ne plus avoir peur. C'est pour ça que tout être humain normal a besoin qu'il y ait quelqu'un qui ait le contrôle. Bien dit, Oshi. Bien dit, Oshiga. Bien dit. On a besoin de quelqu'un qui ait le contrôle. Et qui a donc le contrôle de l'homme? Qui a le contrôle sur l'homme? C'est Dieu. C'est pour ça que les personnes qui normalement croient en Dieu ne peuvent pas avoir peur n'importe comment. Elles peuvent avoir peur parfois de Dieu, avoir peur de ne pas observer ce que Dieu a demandé de faire. Ces personnes peuvent avoir peur. Mais il y a par contre d'autres personnes qui n'ont clairement pas peur. Ils ne connaissent pas le sentiment de la peur. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ceux en qui ils croient peuvent faire du mal aux gens. Parce qu'ils savent que ceux en qui ils croient peut à tout moment venir pour intercéder et nuire aux autres pour que eux, ils soient toujours ceux qui sont en avant. C'est pour ça qu'ils vont dans la franc-maçonnerie. C'est pour ça qu'ils vont dans les réseaux sectaires. C'est pour ça qu'ils font des pratiques occultes pour ne plus avoir peur. Parce qu'ils n'ont pas eu la patience de créer un rapport sain avec Dieu et avec la société autour d'eux. C'est pour ça que celui qui a peur réfléchit avant de poser des actions. Par contre, celui qui n'a pas peur méprise les hommes. C'est lui qui effraie les hommes. Et avec quelqu'un comme celui-là, on ne peut rien faire de bien. Donc, je vous ai parlé du rapport avec la mort, l'enseignement qu'on peut en tirer. Je vous parle maintenant de la peur, qui était aussi une peur qui était liée à la mort, mais qui aujourd'hui s'avère être une peur qui nous rappelle juste que nous avons besoin de quelqu'un qui nous surveille, qui nous tient, qui nous contrôle. C'est pour ça que certains disent, quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains parce que ça, c'est avec moi. Tout ça, ce n'est pas au hasard. Je ne suis pas devenu pasteur ou prêtre, pardon, ne me confondez pas. J'utilise juste la logique pour que vous compreniez ce qui se passe. Ce sont des petites notions comme ça que les gens qu'on doit comprendre. Et je vais aboutir sur un autre point. Ce que je vous donne sont des petits points, des choses que je développe en plus longtemps. Mais comme c'est la nuit, je me donne, je ne sais pas quelle heure il est là maintenant déjà. Ah, il me reste quelques minutes, voilà. Comme c'est la nuit, je me suis dit, quand j'ai le temps la nuit, à cette heure-ci, il n'y a que les personnes qui savent pourquoi elles sont éveillées. Qui sont éveillés et à ce moment on peut parler franc jeu, vous et moi, on peut parler, on peut jouer les vraies cartes. C'est pour ça qu'à cette heure-ci je parle clairement des choses sérieuses. Donc, je vous ai parlé de la mort, je vous ai parlé de la peur. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est devenu comme c'est devenu comme une drogue dans le monde. C'est devenu comme une drogue sur Terre. Vous allez remarquer que partout. Dans notre révolution, dans notre société, où que vous soyez en tant que Camerounais, en tant que Noir, vous allez vous rendre compte que vous aurez l'impression que les gens attendent de vous d'être parfait. Si vous avez une femme, l'homme veut que la femme soit parfaite et la femme attend de l'homme d'être parfait. Les enfants attendent que maman soit parfaite et maman attend que les enfants soient parfaits. L'oncle attend que son frère, sa soeur soit parfaite. Tout le monde attend de tout le monde d'être parfait. Tout le monde attend de tout le monde d'être parfait. On a l'impression que la perfection, c'est quelque chose qu'on peut acheter à Foukoumoukoulou, comme les cordes, pour faire allusion à cela. Oui, la peur, en fait, ce que je donne, ce n'est pas une vision universelle. Hein. C'est ma petite lecture que j'ai de la chose. La peur peut être développée dans plusieurs aspects. Sous plusieurs aspects, je te l'accorde. Donc, ce que je donne ce soir, c'est juste ma façon à moi de voir la peur. J'estime juste que la peur, pour moi, ne me bloque pas. La peur, au contraire, me rappelle que je dois continuer de travailler. La peur ne me fait pas rester sur place. C'est un peu ça que je veux dire. La peur a des enseignements qu'on peut tirer. Il y a plusieurs enseignements. Et tu vas comprendre pourquoi tu vois la peur de cette façon quand je vais continuer de développer ce dont je voulais parler, qui était la perfection. On attend la perfection. On attend tous la perfection. Mais quelle perfection? Chacun d'entre nous a dans sa tête, dans son psychisme, une image parfaite du monde, une image, sa vision à lui du monde.
La femme a son image de l'homme parfait dans sa tête. Vice-versa, l'enfant a la vision du père parfait, de la mère parfaite, de la tante parfaite, de la soeur parfaite, du frère parfait. Et on veut donc imposer cette image-là aux gens. Si quelqu'un à côté de toi, il pose une action qui est bien, au lieu d'apprécier l'action, il y en a qui vont réussir à trouver dans l'action ce qu'il y a de négatif. Et c'est dans ça que nous on parle. No está mi cumpleaños, es el cumpleaños de Ushigaga. No está mi cumpleaños. Ce n'est pas mon anniversaire, c'est pas mon anniversaire, c'est une. Je sais pas, Ushiga. C'est un nom féminin, c'est un nom masculin, je suis un peu perdu là. Mais en tout cas, c'est le nom, c'est cette personne qui fête son anniversaire aujourd'hui. Mais je vous dis. La perfection est tellement impossible à avoir sur terre parce que la simple existence de la divinité, d'un Dieu, impose que nous ne puissions pas être parfaits. Parce que si on est parfait, on ne sera plus sur terre. Je vous avais expliqué le phénomène selon lequel quelqu'un qui est parfait ne peut pas être dans un monde imparfait. C'est difficile. C'est comme pour réparer un ordinateur parce que le monde est là pour s'exercer à devenir. pour s'exercer à devenir. De mieux pour devenir meilleur. Alors, quand on est déjà bon, on n'a plus raison d'être là. C'est pour ça que les gens qui s'améliorent sont obligés de parfois partir. C'est un peu comme ça. Donc, partant de là, ah, c'est ton nom d'artiste. Ah, ok. Content. J'espère qu'on aura la possibilité de voir ton talent, de profiter de ton talent, hein. De voir ton talent. Qui sait peut-être de faire la promotion de ton talent. Donc, vous voyez que dans la recherche de la perfection, on traumatise les gens. On traumatise les gens. On dit aux gens, si tu veux travailler, il faut que tu aies bac plus 5. Il faut que tu aies fait tel nombre d'années de travail. Il faut que tu aies tel nombre d'années d'expérience. Il faut que tu aies ci. Il faut que tu aies ça. Il faut que tu aies ci. On demande aux gens des choses qui ne sont pas possibles. Possible, oui, mais pour certaines personnes qui ont été fabriquées avec ces critères-là depuis le départ, dont les dés sont fauchés depuis le départ. Alors, vous voyez, dans cette recherche de la perfection, on oublie parfois de se poser une question fondamentale. On oublie de se poser une question fondamentale. Parce que la seule chose qui soit parfaite, c'est Dieu. Et Dieu est unique. Et la vie aussi est unique. Parce qu'on dit que Dieu, c'est la vie. Donc vous voyez que la vie que nous avons est une vie unique. Et parce qu'elle est unique, ça ne veut pas dire qu'on va la gaspiller, tout à fait, pas du tout. Mais parce qu'elle est unique, ça veut aussi dire que la chose qu'on a qui est parfaite, c'est la vie. Et si la vie est une perfection, il ne faut donc pas enlever la vie de quelqu'un. On ne doit pas enlever la vie à quelqu'un. On ne doit pas nuire à la vie de quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce qu'en lui, il y a la vie et en toi, il y a la vie. Alors, quand tu aimes ta vie, tu es sûr que personne ne veut mourir. Même ceux qui se suicident là, quand ils se suicident, ils ont mal avant de se suicider. Quand je dis mal, ce n'est pas qu'ils ont mal corporellement. Ils ont pas mal physiquement, mais ils ont mal dans l'esprit parce qu'ils savent que ce qu'ils font n'est pas vraiment ce qu'il fallait faire. Donc, c'est la vie que nous devons chérir. Mais nous sommes dans des états aujourd'hui où on ne chérit plus la vie. On est dans des états aujourd'hui où la vie n'a plus de sens. Vous voyez comment les militaires tirent sur les gens. Vous voyez comment les gens qui sont habités par la peur sont obligés de tuer les autres pour éviter de voir la peur qu'ils ressentent, pour ressentir quelque chose d'autre que la peur. Paul Biya était obligé de tuer les gens pour avoir l'impression d'avoir le pouvoir, pour éviter qu'on l'attaque, parce que pour lui, on pourrait l'attaquer à tout moment. C'est cette peur perpétuelle qui l'obligeait à tuer les gens. Et c'est la même chose avec la perfection. On demande aux gens d'être parfaits. Pourquoi? Parce qu'on sait que nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Et en exigeant aux autres d'être parfaits, les autres ont l'impression que nous, on est parfaits. Que nous, on sait comment on peut devenir parfait. C'est comme ça que les Occidentaux vivent avec nous, les Noirs. Ils nous imposent à nous de faire des choses que eux-mêmes ne peuvent pas faire. Et c'est pour ça que pour nous, eux, ils deviennent la référence en termes de perfection. En termes d'élévation, en termes d'évolution, et pourtant ils n'en savent rien.
Rappelez-vous des propos de Léopold II. Rappelez-vous des propos de Léopold II à l'époque du Congo belge. Quand il disait, dans les années 1880, 1884, 1885, quand les Congolais ont pris le Congo belge, le Congo qu'on a dénommé le Congo belge, ce qu'il a fait, l'ancien Zaïre, il disait aux gens que vous ne pouvez pas apprendre la religion à ces gens parce qu'ils connaissent mieux Dieu que vous. Et il disait vrai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, quand on parle de religion, on se réfère à l'Occident. Parce que pour que ce soit bien, soit parfait, il faut que ce soit dans leurs critères, avec leurs critères. Quand on parle d'intelligence, de science, pour faire un ouvrage scientifique, il faut que ça réponde aux normes des maisons d'édition européennes. Hatier, par exemple, la maison d'édition Hatier, c'est elle qui produit la plupart des, c'est elle qui édite la plupart des écrivains en Afrique. Amatang, vous connaissez, Edilivre, vous connaissez plein de maisons d'édition qui sont des maisons d'édition occidentales qui imposent les critères occidentaux à ceux qui veulent écrire qui viennent d'ailleurs. Et c'est comme ça que les gens qui demandent donc à tout moment la perfection, qui réclament la perfection, ne sont donc pas parfaits. Parce que les livres qu'ils produisent aujourd'hui sont des livres qui ne relatent pas réellement la réalité du monde. Ça déforme la vérité. Et c'est donc ceux-là qui déforment le mieux la vérité, qui sont primés par ces entreprises-là, qui ne sont donc pas parfaites, mais exigent aux gens d'avoir la perfection. Parce que si aujourd'hui, quand vous vous mettez dans le combat du Camerounais et vous dites, je suis avec le professeur Kamto et j'assume que je veux que le Cameroun change, on va te voir, toi, comme quelqu'un qui n'est pas parfait. C'est toi qu'on va mettre donc maintenant sur l'étalage, sur au marché, et dire, regardez ses cheveux. Il n'a pas les cheveux de quelqu'un qui... Moi, à l'époque, bon, ça fait déjà à l'époque, ça fait quelques semaines. Et vous vous rappelez quand j'avais encore mes cheveux là. Tout le monde, la plupart des personnes que je rencontrais, ne comprenaient pas que dans le processus d'évolution personnelle, ça fait partie du processus d'évolution personnelle. Il y a des moments où vous, quand vous travaillez sur vous, vous allez vous laisser pousser des cheveux. Il y a des moments quand vous travaillez sur vous, vous allez arrêter de manger, par exemple, la viande. Il y a des moments où quand vous travaillez sur vous, vous allez arrêter, par exemple, de boire de l'alcool. Ce sont des choses qui évoluent. Donc, pour eux, c'est un peu important. Ils vont tout faire pour trouver en vous un élément qui va discréditer votre crédibilité. Et c'est pour ça qu'au Cameroun aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les personnes qui sont mises sur la sellette, sur la sellette du jugement sont ceux-là qui apportent le changement. Tout ce qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de l'homme, peu importe où vous êtes, on va critiquer celui qui apporte l'alternative et pas celui qui est là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peu importe ce que le professeur comme toi, par exemple, fait, vous voyez que ça ne sert à rien. Puisqu'aujourd'hui, ça ne retentit même pas dans les oreilles des gens. Il faut que quelqu'un soit quelque part avec le moindre scandale pour que le petit scandale là fasse le tour du monde entier pour dire, ah, on dit qu'il a fait ci, on dit qu'il a fait ci. Juste parce qu'il faut mettre en avant ce qui n'est pas bon pour discréditer l'aspect positif de la personne. Je prends le professeur Kamto, je pourrais prendre n'importe lequel de vous qui êtes sur ma page aujourd'hui en train de me suivre. Ça s'applique à tout le monde. Dans une famille, rappelez-vous, combien de personnes ont déjà proposé des projets, ont déjà dit dans leur famille, moi je veux grandir, je veux être telle chose, je veux être telle chose. Et c'est là dans la famille même qu'on a dit, ah mon frère, laisse, dis donc, il faut laisser ça. Mais quand 15 années plus tard, 20 années plus tard, on se rend compte que vous avez persévéré et vous êtes devenu ce dont vous avez parlé il y a des années, on dit non, le petit frère s'est téméraire, il était accroché à cette idée, on l'a soutenu et pourtant en réalité, entre eux et vous, vous savez qu'il n'en est rien de cela. C'est de ça qu'il est question. Il est difficile de voir un Africain se lever et dire je vais soutenir cet enfant parce qu'il a tel talent et il faut que ce talent soit galvanisé. Chercher en l'autre ce qu'il y a de positif pour l'élever. Mais au Cameroun, en Afrique chez nous, on cherche en l'autre ce qu'il y a de négatif pour l'humilier. C'est ça notre problème. Parce que quand les Occidentaux cherchent en nous ce qu'il y a de négatif pour nous humilier, nous-mêmes nous cherchons entre nous ce qu'il y a de négatif pour nous humilier, pour paraître moins bas aux yeux des Occidentaux que le reste. Et donc, comme ça, pour être choisi comme un pion des Occidentaux chez nous en Afrique. C'est le cas des présidents que nous avons. Et parce que ces présidents savent eux-mêmes qu'ils ne sont pas plus hauts que ceux qu'ils élèvent, il faut donc écraser ceux qu'ils ont abaissés. Il faut donc tuer ceux-là pour que demain ou après-demain,
Leurs soldats ne se rendent pas compte du talent qu'ils avaient en réalité et qu'ils ont caché au fil des années avec la dictature. Donc ça, c'est ce que j'appelle la notion de la perfection qui est aujourd'hui refoulée, qui est piétinée, écrasée chez nous. Et c'est ça que nous devons enseigner à nos enfants. De regarder en l'autre ce qu'il y a de positif. De regarder en l'autre ce qu'il y a de bien et qu'on puisse améliorer. Parce que si vous dites par exemple dans un couple, dans une famille, l'expérience de la plupart des familles que j'ai rencontrées, quand il y a des problèmes dans une famille, les familles où par exemple on dit à l'enfant chaque jour, tu es un voleur, tu ne vas jamais rien faire dans ta vie, je suis sûr que tu vas même mourir en prison, tu ne vas jamais, vous connaissez ce genre de discours, quand ta mère te ramasse à la maison, elle te raconte tout, comment Dieu a créé le ciel et la terre. Vous voyez ce genre de choses-là, où les parents se mettent à dire des choses de cette nature-là à leurs enfants. L'enfant, quand il assimile ça, qu'il est un idiot, il ne va jamais rien faire, il n'est qu'un bandit, l'enfant là va devenir le produit que les parents ont créé. Et c'est ce qu'il va devenir. Parce qu'en chaque fois qu'on va l'insulter, on va lui donner des insultes, on va seulement mettre en avant ce qu'il y a de mauvais en lui. Ce qu'il y a de mauvais en lui va monter. Comme l'huile monte, quand vous mettez l'huile dans l'eau, l'huile reste en surface. C'est comme ça que ce qu'il y a de mauvais va rester en surface et ce qu'il y a de bon va rester caché sous ce qu'il y a d'en bas. On ne verra jamais ce qu'il y a de bien en lui. Il faudra se rapprocher de lui pour dire, mais en fait, le gars, si, quand tu te rapproches de lui, tu te rends compte qu'il n'est pas méchant. Cette femme, si quand tu es proche d'elle, tu te rends compte qu'elle n'est pas comme on dit là. Pourtant, en réalité, si on commence à mettre ce qu'il y a de bien en lui, en elle, devant, vous allez voir que ça va totalement abaisser ce qu'il y a de négatif. Parce qu'il va savoir qu'en moi, on aime telle chose. En moi, on aime telle chose. Si Mbagalaba, il aime me voir parce qu'il sait qu'avec lui, quand je parle de telle chose, telle chose, telle chose, il est content de moi. Quand tu vas partir voir Mbaga, tu vas tout faire pour améliorer le côté que Mbaga aime. Quand tu vas aller voir Kamdem, tu vas savoir que Kamdem, lui, il aime me voir quand, par exemple, nous, on parle des mathématiques, on parle d'argent, on parle comme ça, là. Il aime me voir quand je me concentre pour les projets, pour évoluer. Oui, quand tu vas voir Kamdem, tu vas t'arranger à avoir là, au moins un, deux projets sous la main. Tu vas t'arranger à avoir au moins des éléments nouveaux pour pouvoir discuter avec lui, pour que vous soyez en conformité. Vous allez vous rendre compte que toutes vos personnalités, tous vos différents talents que vous avez vont se développer dans la société et chacune des personnes qui est autour de vous dans la société aura mis sa petite pierre. Juste en ayant dit, mon frère, on dit dans le quartier, c'est que tu es un bandit et tout, tout, mais moi j'ai remarqué quelque chose sur toi, c'est que quand tu dis que tu vas faire ton école et tu fais bien ton école, donc c'est quelque chose que j'apprécie sur toi, on va tout dire de lui, mais quand il va voir le père qui lui a dit ça passer, il va dire le père, hey, j'ai oublié de te dire, j'ai eu 19 de moyenne en maths. Le père va être content. Vous voyez, c'est comme ça que ça crée la société. C'est comme ça qu'on crée le talent. C'est comme ça qu'on fait évoluer les gens. Et une fois que vous êtes dans une société où on vous apporte des compliments positifs, vous vous améliorez. Et non seulement vous vous améliorez, mais vous créez une société forte. Parce que demain, dans cette société, si quelqu'un obtient un poste quelque part, il saura exactement qui est-ce qu'il peut chercher pour quel ou tel ou tel autre métier. Même s'il ne vous prend pas par là, ce n'est pas l'affaire de famille que ton frère devient ministre, il te prend et te met derrière lui. Non. Il va te dire, va postuler parce que tu as toutes les chances. Il saura que toi, tu as la chance d'y aller. Seulement le renseignement là, c'est quelque chose de fondamental. Donc, il faut améliorer les gens. Et en améliorant les gens, on s'améliore soi-même. Parce que ce que vous dites à quelqu'un de bien, vous faites vous-même vous sentir bien. Vous vous rappelez, quand vous finissez, par exemple, une dispute avec quelqu'un, quand vous avez une discussion avec quelqu'un, vous êtes en colère, en colère, en colère. Mais quand vous finissez là de discuter, vous deux, la personne qui a insulté et la personne qui est insultée, vous vous sentez exactement mal. Parfois, la personne qui a dit du mal se sent encore deux fois mal. C'est comme ça. Je vais lire quelques messages. Sia Kakolo qui nous dit, Mouy Ben Stevie, parlez-nous tous, accompagnons-nous tous ensemble pour un Cameroun nouveau, une nouvelle mentalité. Ceux qui veulent m'écouter veulent écouter pour leur bien. On a grand retard, mais hélas, on vient avec le déni, si tu veux. Ah, merci à toi de suivre. Pour ceux qui mettent les liens dans ma page, quand vous mettez les liens, il faut dire pourquoi ce lien est mis. Parce que normalement, quand vous venez sur une page, c'est pas pour faire la publicité. Mais entre nous, quand vous mettez un lien, expliquez au moins pourquoi le lien est là. Pour que ceux-mêmes qui vont venir lire le lien sachent pourquoi est-ce qu'ils partent suivre ce lien-là.
même si je n'admets pas la publicité sur ma page, mais d'aventure, il faut écrire au moins une notion pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que vous mettez ce lien. C'est juste comme ça à titre informationnel. Bon, à titre informatif. Donc, ce que je veux dire, c'est que, mes frères, il est fondamental que nous commencions à prendre notre vie en main, que nous vivions la vie en sachant pourquoi nous vivons. Commencez à devenir les maîtres de votre vie. Devenir maître de votre vie, ce n'est pas dire que vous avez commencé à vous lever à 6 heures, dire non, je me suis levé à 6 heures, non. C'est avec des choses simples. Je vais vous donner un exemple. Décidez-vous que, à partir d'aujourd'hui, on est bientôt, bon, disons que dès que vous allez vous réveiller, décidez-vous que dès que vous allez vous réveiller, chaque personne que vous allez voir, vous allez lui dire quelque chose de bien, un compliment seulement. Bonjour, peu importe si vous avez des problèmes, même si c'est le gars qui avait dragué votre copine, si c'est le gars qui vous avait fait des problèmes, faites-lui un compliment, un seul. Vous allez voir comment, en faisant un compliment à quelqu'un, on se sent bien, soi-même après. Ça libère, ça libère, ça libère, ça libère. Ça libère. Ça libère vraiment quand on fait des compliments aux gens, quand on dit des bonnes choses aux gens. C'est libérateur et ça galvanise celui-là. Le meilleur café, la meilleure façon de démarrer sa journée de travail, ce n'est pas en buvant un café, non. C'est en disant du bien autour de vous. Parce que si vous arrivez dans votre travail, votre patron vient, ah bonjour, comment tu vas? Bien, oui, tu as bien dormi, oui. Je te vois motivé, là, oui, je suis tout feu, tout flamme. Oh, j'espère que tu vas avoir un bon rendement aujourd'hui. Je te souhaite la bonne chance. Tu as besoin de quelque chose? Non, non, ça va, chef. Toute cette journée, vous allez travailler en forme. Vous serez pas pourquoi, mais vous serez content. Vous serez content même de travailler là-bas. Et même si votre patron vous donne 2000 euros le mois, même 1500 euros le mois, vous aurez une autre structure qui va venir vous dire, je te donne 5000 euros. Vous allez avoir mal de quitter la structure, pas parce qu'on ne vous paye pas, non. Vous allez venir dire à votre chef, vraiment, chef, j'aime ce qui se passe. Augmente-moi même 500 euros, que j'ai même 2000 euros, bien 3000 euros. Je vais rester avec toi parce que j'ai une proposition de 5000 euros à côté. C'est ça. C'est ça, la bonne humeur. Et quand vous vivez comme ça, vous allez voir que votre vie, les gens autour de toi, les gens autour de vous, vont devenir différents. C'est pour ça que il y a une phrase que je dis toujours dans mes directs. Je dis que je déteste la pauvreté. Quand je dis que je déteste la pauvreté, on croit toujours que je parle de ceux qui ont les poches vides. Non, je ne parle pas de ça. Je dis toujours que je déteste la pauvreté. Les pauvres qui ne vous apportent rien. Quand je dis qu'ils ne vous apportent rien, ce n'est pas qu'ils viennent, ce sont des gens qui viennent vous rendre visite avec. Non, ce sont des gens qui, quand ils sont à côté de vous, vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Il y a des personnes comme ça. Ce n'est pas qu'elles sont négatives, mais c'est que vos humeurs, vos énergies ne sont pas conjugables, si je peux le dire comme ça. Elles ne sont pas alignables, elles ne sont pas sur les mêmes ondes. Et pour vous, ça vous détruit vous-même comme ça détruit la personne. C'est pour ça qu'il y a des personnes que vous rencontrez la première fois, vous avez l'impression que vous êtes né avec la personne, vous vous entendez du tic au tac. Mais il y a d'autres personnes que vous rencontrez, vous n'avez même pas besoin de les regarder deux, trois fois. Vous savez que non, là-bas, c'est mauvais, c'est un genre. Vous observez seulement la scène. Mais ça ne veut pas pour autant dire que vous allez rendre le séjour de la personne sur Terre invivable. Non, vous pouvez toujours être cordial avec la personne. Bonjour, comment tu vas? Bien, bien, tout. Mais vous limitez vos rapports à ce niveau. Par contre, les vibrations, exactement, il s'agit des vibrations. Vous savez, parfois j'évite de prononcer des mots parce qu'il y en a qui prennent ça dans un autre niveau. Donc je préfère expliquer les choses avec des mots simples. Parce que quand je peux prononcer un mot là, on va dire, ouh, les gars l'ont déjà trempé. Maintenant, on va dire que les gens qui veulent la liberté du Cameroun ne sont plus les sans-papiers, ils sont déjà des sectaires. Donc c'est pour ça que je tâte un peu, je vais doucement, quoi. Donc, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez comprendre, c'est que chaque personne a des vibrations. Et ces vibrations-là, quand elles sont positives, elles attirent des personnes positives. À chaque fois que vous dites, ouais, ça, mais, gars, je suis dans l'une de mon frère, ça, Stevie, ça a cuit sur moi, j'ai tel problème. Il est 7h, Stevie, à 12h, Stevie, gars, j'ai un problème, aide-moi, j'ai ceci. À 14h, 19h, quand vous faites ça pendant une semaine, quand vous faites ça pendant une semaine, la personne que vous appelez constamment, même si elle est gentille, comment, quand elle va seulement vous voir, elle va dire que, ouh, là, le gars, ici, il faut que je change la route, il va me faire tourner comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est. Pas que tout le monde est comme ça, mais c'est parce que ça crée des vibrations qui parfois, si elles ne sont pas positives ou bien au même niveau que celle de la personne que vous contactez,
elle va se sentir mal. Et quand elle va se sentir mal, vous aussi, vous allez vous sentir mal parce que vous direz, je t'appelle, tu ne prends pas mes appels. Quand je te dis quelque chose, tu ne considères pas. Lui va dire que quand tu me vois, c'est parce qu'il ne peut pas vous dire ça, mais il va le ressentir. Et en le ressentant et en ne le disant pas, il va se sentir mal ou elle va se sentir mal. C'est pour ça que dans les relations, parfois, quand il y a une fille qui trompe son gars ou bien un gars qui trompe sa copine, lui, il vit deux fois pire les souffrances qu'il entraîne à sa copine parce que ça reste en lui. Et elle ne connaît pas, elle est tranquille, elle vit tout à fait normalement. Elle va dire lui, il est bizarre. Par contre, le gars, lui, il souffre deux fois. Il souffre deux fois. Donc, c'est pour dire que celui qui aujourd'hui s'engage dans cette marche-là doit comprendre que il doit laver son esprit. Bon, quand on dit laver, il doit changer de vibration en disant du bien aux gens autour de lui. Il s'attire de bonnes vibrations. Et c'est comme ça, parfois, vous marchez, vous trouvez de l'argent par terre, vous dites, hey, merci, super, j'ai trouvé de l'argent. Mais vous croyez que c'est du hasard? Non. La seule chose qui n'est pas programmable, c'est le hasard. Mais le succès est programmable. Vous pouvez programmer votre succès. Vous pouvez dire que je m'assois aujourd'hui. Je m'inscris dans telle formation. J'apprends telle formation. Après la formation, là, j'aurai tel diplôme. Après le diplôme, là, va me permettre de m'inscrire dans tel niveau. Dès que je suis inscrit là-bas, je vais faire ci. Après, je vais postuler pour tel travail. Je vais travailler là-bas. Voilà comment on programme la vie. Ça, c'est programmable. Mais le hasard n'est pas programmable. Vous pouvez programmer le hasard comment? Et c'est ce que nous faisons au Cameroun. Les gens restent assises chez elles, attendant que quelque chose se produise. Non, Stevie, vraiment, ce qui se passe au Cameroun est grave. Je dis, ah bon, oui, c'est grave, gars. Les gars, on a fait, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça, oui. Et toi-même, qu'est-ce que tu proposes donc pour que ça change? Gars, tu sais, nous, on est la phrase là vient tout le temps. Oh, Stevie, tu sais, nous, on est les combattants de l'ombre. Hein. Nous, on vous soutient. On vous soutient, gars. On est avec vous. On est avec vous, gars. Il faut faire quelque chose. Mais eux, ils sont tranquilles chez eux. Ils sont tranquilles chez eux. Donc, ça fait mal. Ça fait mal de savoir que nous ne sommes pas encore engagés vers. On n'est pas encore prêt pour le vrai combat. On n'est pas encore engagé pour le vrai combat. Attendez une seconde que je mette ma. J'ai ma caméra qui me joue un peu le. Qui joue un peu avec moi là, une seconde. Voilà. La technologie et les choses des blancs, c'est compliqué. Hein? Donc, comme je tente de dire, rebonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, je vous parlais de la perfection et je tente de démontrer que on cherche toujours chez nous, en Afrique, généralement, les défauts chez les personnes. On cherche tellement les défauts chez les personnes qu'on crée des ondes négatives en nous. Parfois, vous voyez quelqu'un, vous avez même peur pour rien parce que les pensées que la personne a en elle sont tellement noires, sont tellement négatives que quand vous rencontrez la personne, vous vous sentez mal. Vous vous sentez mal. Et c'est pour ça que il est nécessaire, faites l'exemple vous-même. Faites l'exemple vous-même. Commencez à avoir des rapports gentils avec des gens. Commencez à regarder. Aller chez quelqu'un, regarder sa maison, dire le gars il a acheté, waouh, c'est bien ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce que je vois? Demandez-vous toujours ça. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce que je vois? Tu vas dire, mon frère, dernièrement acheté, je n'avais pas assez d'argent, mais je veux aujourd'hui, je t'ai acheté un appartement, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci. C'est quelque chose de bien, c'est encourageant, continue comme ça. Seulement la petite phrase là va amener le gars à bosser encore pour garder, même seulement pour maintenir ce niveau-là. Et en le maintenant, demain tu peux avoir des problèmes et c'est lui qui te sort des situations ou elle te sort des situations. Par contre, quand tu vois, tu dis, c'est bien, hein? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous connaissez les Camerounais, comment ils font parfois, non? Ils ont une façon de faire leurs yeux, là, je ne sais pas comment faire ça.
Donc, ils appellent ça ou se toiser ou c'est quoi. Ils font ça et dans leur tête, ils ne sont pas contents. Sauf que s'ils trouvent un moyen de te nuire, ils vont te nuire copieusement jusqu'à ce que tu perdes tout. Et c'est quand tu as tout perdu qu'ils sont contents. Ils préfèrent que tu perdes tout pour venir te donner même 500 francs. Gars, voilà, prends. Tu vas dire merci. Il sera content parce que tu es devenu rien. C'est un peu comme ça qu'on est au Cameroun. On préfère voir l'autre souffrir. Et pourtant, on peut juste laisser l'autre tranquille. On peut même l'encourager. Parce qu'une société avec quelqu'un qui est fort, c'est une société qui est stable. Deux personnes qui sont fortes, c'est une société qui est bien stable. Trois personnes, quatre personnes, c'est une vraie société. Mais chez nous, on a fait de n'importe qui nos adversaires. On a fait du talent nos adversaires. On a fait de la perfection notre adversaire. De sorte que chaque personne qui essaie un peu de s'améliorer, il faut absolument le casser. Si c'est une voiture que vous achetez, il va falloir que les gens viennent détruire votre voiture juste pour que vous recommenciez à zéro. Dans, ça se voit ici en Europe, il y a des personnes qui ont eu des voitures, des roues de voitures crevées ici. Donc je crois que nous, les Camerounais, on est capable de surmonter ça. On est capable de voir le bien de l'autre et de le laisser tranquille. On est capable de faire du bien à l'autre. Je sais que c'est possible. C'est difficile de faire du bien, je vous assure, c'est difficile de faire du bien. Mais quand vous faites le bien, c'est comme les pop-corn. Quand vous mangez, au début, vous dites non, je ne veux pas manger les pop-corn. J'étais champion pour ça d'ailleurs. Quand je partais au cinéma, on me disait toujours, prenons les pop-corn. Je disais non, 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 moi ça ne m'intéresse pas les pop-corn. Mais la personne qui prenait, je commençais à me comporter comme certaines filles. Donc de temps en temps, je prenais un pop-corn, deux, trois, quatre, après je prenais une main. Après, je prenais une main. Finalement, c'est moi qui finissais le paquet de pop-corn. Et je partais encore m'en racheter quelques autres. C'est comme ça que le bien est. Quand vous mangez un peu, ça, c'est succulent. Après, essayez encore de voir. Après. Mais finalement, vous avez commencé à tellement faire du bien que ça devient un mode de vie. Comme on dit, l'habitude est une seconde nature. Vous commencez à vous habituer à vivre comme ça. Et parce que vous vivez comme ça, tous ceux qui sont autour de vous vont commencer à vous voir différents. Et ce qu'il y a de bien dans le bien, c'est que quand vous commencez à faire le bien, ce n'est plus vous qui faites certaines choses. Quand vous faites le mal, vous êtes obligé de convaincre certaines personnes pour qu'elles fassent le mal comme vous. Regardez bien ce qui se passe. Quand vous faites le mal, vous êtes obligé de convaincre certaines personnes pour qu'elles fassent le mal comme vous. Paul Biya est obligé d'entraîner, d'initier les ministres dans la franc-maçonnerie, dans les sectes, dans les réseaux de sodomie et de pédophilie et de tout ce que vous connaissez, des crimes rituels. Il est obligé de le faire. Il est obligé de leur proposer beaucoup d'argent. Il est obligé de leur proposer des voyages. Il est obligé de leur proposer tant et tellement de choses. Par contre, quand vous faites du bien, vous restez chez vous, on vous appelle. Mon frère, tu es où? Ça fait depuis que je ne t'ai pas vu. J'espère que tu vas bien. Tout va bien. Oui, non. On est devant la porte là. Ouvre-nous la porte. On t'a apporté quelque chose. Tu vas dire, ah non, je ne veux pas rendre que non. Parce que tu m'avais rendu service. J'ai dit que non. Il faut que je te rende quelque chose. Je dois te donner quelque chose. Vous allez parfois dans un hôpital. Vous avez un problème. Vous voulez vous soigner. On vous dit non. Tu ne me connais plus. Toi, c'est qui? C'est moi le gars que tu avais porté quand tu montais un jour. Il y avait la pluie. Je montais. Ah, c'est toi. Tu avais me dire, oublié son visage. Le gars te dit que tu m'avais aidé en 60. C'est comme ça que le bien est. Parce que le bien reste comme une tâche indélébile dans l'esprit des gens. Et c'est très important de faire le bien aux gens. Parce que ce que vous appelez les prières, il n'y a pas de meilleure prière que les pensées positives de quelqu'un à qui vous avez fait du bien. Même dans les rapports que vous avez professionnellement. Demain, je vais faire une formation pour apprendre aux gens comment on parle dans le business. Vous allez comprendre que quand vous faites dans les affaires, quand vous faites dans l'entrepreneuriat, quand vous partez rencontrer quelqu'un ou une entreprise ou un rendez-vous, nous on va parfois dans les hôtels, on rencontre des entrepreneurs. Quand vous rencontrez quelqu'un, le rapport que vous avez avec la personne la première fois doit être tellement bien que à chaque fois que cette personne entendra parler de vous, il aura encore le même sentiment qu'il avait au départ. C'est pour ça que dans la plupart des jeunes que nous sommes, nous nous souvenons encore exactement des conditions dans lesquelles on a eu notre première copine ou notre premier copain. Parce que c'était quelque chose de bien et on a gardé cette émotion-là. C'est pour ça que quand on a un événement tellement heureux dans notre vie, on peut garder ça pendant des années et des années. Chacun de vous se rappelle comment il a fêté qu'il a passé un examen. Chacun de vous se rappelle comment il a crié quand il a eu, par exemple, le visa pour venir en Europe. Chacun de vous se rappelle de ça. Ce sont des choses qui restent dans la tête. Par contre, chacun se rappelle aussi de comment ça s'est passé
de qui a mis le tampon sur son passeport pour dire que refus. Il se rappelle. Il se rappelle de comment on l'a traité quand il est parti à l'ambassade. Il se rappelle de toutes ces choses-là. Et chaque fois qu'il va voir le visage de la personne, il va dire, voilà le gars là-bas. Et seulement quand il dit ça, c'est comme dans YouTube ou dans Facebook. Quand vous avez une action que vous avez posée, les gens viennent mettre les pouces bleus, ils mettent les pouces bleus, ils mettent les pouces bleus. Regardez les Camerounais. Par exemple, ils posent une action où on met les pouces bleus. Il n'y a qu'à regarder le comportement des Camerounais sur Facebook pour comprendre quelle est la mentalité que nous avons. Les vidéos où vous sentez que les gars ont mis du travail derrière. Il y a des vidéos des personnes qui ne sont pas là pour vous montrer leur diplôme, mais qui font tout pour vous donner leurs connaissances. Il y a un gars, Abdelaziz Moundé, il y a, elle s'appelle comment la femme? J'oublie son nom, c'est Aissatou. Il y a plein, il y en a plein sur les réseaux sociaux que moi-même parfois je prends la peine de suivre. Vous les suivez, vous savez que ce sont des gens qui parlent avec le cœur, ils veulent apporter quelque chose. Mais ces gens n'ont pas les vues. Par contre, si moi, Stevie, je peux vous donner un défi, je mets sur ma page officielle, je dis que demain, je vais détruire la base. Les vérités que je vais dire vont être catastrophiques. Je dis ça. Et je dis que mon live va être demain à 19h. À 18h, tout le monde aura déjà fait le tour de toutes les pages pour entendre parler de ce que Stevie Sam va dire. J'aurai les vues sur ma page. Je sais comment je peux faire pour avoir les vues. Il suffit que je donne que j'entre dans ce registre-là. Vous allez voir comment les gens vont commencer à aimer ma page. Même les Sardinats vont venir s'abonner à ma page. Dis que non, dis tout, Stevie. Dis tout, ne lâche rien. Ils vont me faire des messages en inbox pour dire que, gars, même si on te menace, comment hein, ne suis pas. Reste concentré. Livre-nous le travail à 19h. Détruis-moi ces gars-là. Les mêmes gens qui sont avec nous vont encore venir dire que non, Stevie, vas-y, lâche l'affaire. Dis tout, dis tout. C'est ça qui démontre notre capacité à notre incapacité à faire du bien. Même quand vous critiquez quelqu'un, il faut critiquer en apportant des propositions. Il faut l'amener à évoluer, il faut l'amener à grandir. Je sais ça. Je sais qu'il y a des gens parfois qui viennent juste parce qu'ils veulent venir nuire. Parce qu'ils voient un groupe de jeunes Camerounais qui s'est mis derrière un mouvement. Ils ne comprennent pas que les Camerounais aient pu rester 2 ans dans un mouvement. Ils ont des problèmes, mais ils sont toujours là. Ils disent que comment ils réussissent à faire ça? Il faut les casser. Parce qu'ils ne disent pas que waouh, c'est la première fois qu'un groupe de jeunes Camerounais existe et qu'ils soient capables de rester accrochés à ces valeurs pendant 2 années durant. Parce que les partis politiques n'ont pas tenu même une année. Il y a des jeunes qui n'ont pas de parti politique, qui sont là loin en Europe où ils n'ont même pas besoin du Cameroun. Mais ils restent accrochés au Cameroun. Au lieu de soutenir ça, de dire que non, voilà la jeunesse que nous avons, dont nous avons besoin. Ils disent que non, regardez-le, on a cassé le pied de l'autre, là, elle pleure maintenant aujourd'hui. Là, quand on casse ton pied, tu vas rire, tu vas chanter. Vous imaginez qu'on casse le pied de quelqu'un, ils prennent le violon, ils commencent à jouer là, le violon. Ça a quel sens? Vous voyez qu'on cherche toujours à vouloir humilier l'autre. On cherche toujours à vouloir tacher de saleté ce qui essaie d'être propre. C'est ça le problème de nos frères Camerounais. Il y a pour la petite histoire, c'est une histoire qui me fait toujours rire à chaque fois que j'y pense. C'était dans mon village et nous étions partis soutenir une famille parce qu'on avait un projet là-bas pour mettre la lumière dans le village. Avec pour ceux qui connaissent l'énergie solaire, l'énergie renouvelable. Donc notre projet était de mettre la lumière avec l'énergie renouvelable à l'ouest là, dans les routes, sur les grandes voies là, pour que les gens qui circulent la nuit puissent voir sans problème. Et il y a un père qui était tellement fâché, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on avait mis la lumière, on avait commencé dans une maison. Et en fait, pour lui, il fallait absolument qu'on commence à mettre la lumière dans sa maison à lui. Pas en route, non. Pas le projet qu'on était censé venir faire. Pas le projet qu'on était censé venir faire. Non, il fallait que tout ce que nous fassions commence par chez lui. Et on lui a expliqué que non, le père, vraiment, c'est un projet qui va évoluer avec le temps. Quand on aura les moyens, on va d'abord commencer par les grandes routes, les carrefours. Quand on aura les moyens, on va faire les routes, les grandes routes, après on va faire les petites routes. Et quand il y aura maintenant toutes les routes illuminées, là on pourra voir comment on illumine les maisons. Mais le père n'a pas compris. Le père a failli mourir parce que il a fini par prendre sa machette à notre insu, en cachette, et il est parti couper le courant avec une machette. Vous connaissez les machettes traditionnelles là. Et comme il y a du métal sur la machette, le monsieur, il a poussé un cri. Il a poussé un cri tellement fort. Il a poussé un cri, bonne nuit à toi. Il a poussé un cri tellement fort
que nous étions obligés de partir le sauver parce qu'il était en train de s'électrocuter. C'est pour vous dire que voilà quelqu'un comme ça qui fait du mal pour rien. Pour rien. Dans le projet, il n'a pas 5 francs. Que ça marche, que ça ne marche pas, il ne paie rien. Mais il gagne parce qu'il y aura la lumière quand même sur les routes, dans les routes où il va passer, sur les sentiers où il passera. Mais pour le mal, il dit que non, comme ça n'a pas commencé chez moi, là, non, je gâte tout. Et il est parti taper la machette dans le courant. Imaginez-vous, notre phase était en même temps, il a coupé les bêtises et la machette en fait, et le truc, il a reçu un coup, le cri qu'il a fait, on est parti absolument, on est parti très vite essayer de le retirer là-bas. C'est ça notre mentalité. Et pourtant, si je disais, mes enfants, vraiment, j'aime ce que vous faites. Ça, c'est du bon travail. Comment est-ce qu'on peut faire pour que nous aussi, on a dit que non, le père, vraiment, c'est merci encore déjà de ça. On n'aurait même plus donné une responsabilité pour dire, bon, toi, essaie quand même de voir comment on peut gérer ça pour que ce soit bien entretenu, qu'il n'y ait pas les oiseaux, mais les animaux qui viennent détruire ça. Et plus tard, c'est clair qu'il devait bénéficier du projet en totalité. Mais non, il fallait que ça commence par lui. Donc, c'est pour vous expliquer qu'en réalité, c'est ça notre problème. On n'apprend pas à aimer l'autre parce qu'il est l'autre. On n'apprend pas à aimer un être humain juste parce qu'il mérite d'être aimé. C'est ça qui nous dérange. Donc, je vais finir avec le dernier point en vous parlant de l'autodiscipline. Est-ce que vous croyez qu'un peuple, est-ce que vous croyez qu'un peuple qui n'a pas l'autodiscipline peut revendiquer la liberté? Est-ce que vous croyez qu'un peuple qui n'est pas capable de discipliner lui-même sa vie est capable d'aspirer à la liberté? C'est une question de fond que je pose. C'est une question qui attire vraiment mon attention. Est-ce qu'un peuple qui n'arrive pas à s'auto-déterminer, un peuple qui n'arrive pas à être discipliné, peut gérer une société? L'autodiscipline, j'insiste bien sur l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est quoi? Dans autodiscipline, il y a auto comme automatiquement. Il y a discipline comme capacité de mettre des actions, de planifier les actions qu'on met et de les respecter. On peut m'attribuer à ça la définition de la liberté de Jean-Jacques Rousseau. La possibilité, la capacité d'observer les règles qu'on s'est soi-même prescrites. On devient à ce moment autodiscipliné parce qu'on suit un cheminement prédéfini par nous-mêmes. Est-ce que vous croyez que nous, les Camerounais, nous, les Noirs, on est capable de gérer une autonomie? Hey, Blandine, bonsoir à toi. Tu viens d'arriver. Hein? Je suis pratiquement déjà à l'arrivée du métro de cette soirée. Donc, j'ai fait un live de la nuit là. Donc, c'est une question fondamentale qui devrait vous faire méditer. Est-ce qu'un peuple qui n'a pas la capacité, un peuple qui n'est pas autodiscipliné, peut gérer une autonomie? Si aujourd'hui on remet la liberté absolue entre les mains du peuple camerounais tel que nous le voyons aujourd'hui, est-ce qu'il y aura réduction de la corruption? Est-ce qu'il y aura réduction du banditisme? Est-ce qu'il y aura réduction de ce qu'on appelle le népotisme, du tribalisme? Est-ce que vous croyez que le Cameroun... Bonsoir à toi, Didier. Est-ce que vous croyez que le Camerounais lambda va comprendre, après la transition, puisque la transition est pratiquement effective, qu'avec la transition pour le professeur Maurice Kamto, bien pour le changement au Cameroun, il va comprendre qu'il faut qu'il arrête de corrompre? Est-ce qu'il va comprendre qu'il faut qu'il arrête de réaliser des crimes rituels? Est-ce qu'il va comprendre qu'il faut qu'il arrête de voler? Est-ce qu'il va comprendre qu'il faut qu'il arrête de chaparder? Est-ce que le Camerounais va comprendre qu'il faut qu'il se mette au travail et que ce n'est que le travail qui déterminera sa capacité à s'épanouir dans la vie? Est-ce que le policier lambda qui est au Cameroun va comprendre que quand il va sur les routes là, ce n'est pas pour prendre 2000 francs à chaque personne qui passe? Est-ce qu'il va comprendre que quand il va en route, c'est parce qu'il a décidé lui-même de mettre sa vie en danger pour protéger celle des citoyens?
Est-ce que les Camerounais même qui sont avec nous dans cette révolution vont comprendre que la révolution qu'ils mènent, ce n'est pas pour avoir des postes ministériels au Cameroun? Parce que quand ils vont apprendre que la révolution que nous faisons là, c'est pour soutenir le changement, c'est pour aider à l'accélération de l'alternance et de la mise sur pied d'une alternative au Cameroun. Est-ce que le peuple camerounais, puisqu'il n'est pas autodiscipliné, l'autodiscipline, je ne parle pas de l'autodiscipline dans le sens strict du mot. Je parle de l'autodiscipline dans un sens basique. Prenons seulement les Camerounais qui prennent des papiers dans leur voiture et qui les jettent en route. Prenons le cadre de l'insalubrité dans les quartiers. Prenons le cadre des personnes qui mangent les oranges, les ananas et qui jettent les saletés en route. Prenons le cadre des ministères qui ont des lézards, qui ont des plantes rampantes, grimpantes sur les ministères. Parlons des institutions du Cameroun qui sont aujourd'hui plus vertes que les partis des Verts en Allemagne. La nature, les forêts, vous voyez qu'il n'y a pas d'autodiscipline. Prenons le cas, par exemple, des corps de métier, où vous avez, par exemple, des journalistes qui décident de ne pas obéir à une loi donnée par un organe d'autorégulation comme le CNC, le Conseil national de la communication. Prenez le cas, par exemple, des ministres qui décident aujourd'hui de ne pas obéir à leur boss, parce que le vrai boss de ministre, c'est qui? Ce n'est pas Paul Biya, c'est le peuple camerounais. Ils ne sont même pas capables de dire au peuple camerounais que Paul Biya n'est pas là, qui a vacance du pouvoir. Prenez le cas de l'Assemblée nationale qui est censée représenter la voix des circonscriptions administratives dont on a vu le président, on ne sait même plus quand. Vous comprenez que c'est un pays où l'autodiscipline, c'est un mot qui relève du mythe. Alors, la préparation d'un peuple comme celui-là, moi, quand je vois le Cameroun là, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, on change Paul Biya, on met quelqu'un d'autre et tac, le Cameroun a changé. Vous comprenez qu'il y a un travail fondamental qu'il faut mettre sur pied. Il y a ce qu'on appelle le sacrifice de soi qu'il va falloir apporter aux Camerounais. Je vous ai dit les trois notions dont j'ai parlé aujourd'hui. Je vous ai parlé de la notion de la mort. Je vous ai dit que la mort, en réalité, ce n'est pas quelque chose qui devrait faire peur aux gens. Parce que quand on comprend ce que c'est que la mort, on vit mieux. Parce qu'on sait comment profiter de la vie. Et on sait qu'il y a une vérité qui est absolue, c'est qu'on va finir par mourir. Et parce qu'on sait qu'on va mourir, on ne fuit plus la mort parce que c'est inaliénable. Que les gens restent chez eux, cachés, pour ne pas sortir, ils vont mourir. Qu'ils sortent, ils vont mourir. Un truc est sûr, c'est qu'on va mourir d'une façon ou d'une autre. Tu ne connais pas un être humain qui a 200 ans. Et même s'il a 200 ans, il finit toujours par mourir. Donc c'est une vérité inaliénable. C'est maintenant à vous de déterminer comment votre mort va servir, à quoi votre mort va aboutir. Après votre mort, que se passera-t-il? Qu'est-ce que vous léguez aux générations à venir, à votre progéniture? Voilà les questions qui devraient travailler dans le cerveau des hommes. Et au Cameroun, tant que les questions comme celles-là ne sont pas mises sur pied, tant que ces questions ne sont pas mises sur les débats publics, dans les débats, les chaînes de télévision comme Canal 2, blablabla, ce sont les débats comme ceux qui devraient être mis sur le tapis. Parce qu'il faut qu'on sache que le Camerounais d'aujourd'hui attend du Cameroun de demain. Au lieu de dire que Ernest Obama a fait un grand écart, Ernest Obama a fait une roulette, ça ne nous intéresse pas en réalité. Pourquoi? Parce que avant Ernest Obama, il y a des journalistes qui ont subi ce qu'il a subi et trois fois plus. Où en est-on aujourd'hui avec Pius Ndiaye, Mwazizi par exemple, où en est-on avec son cas? Est-ce que l'État a déjà dit aux Camerounais réellement pourquoi il est mort? Pourquoi on l'a torturé? Pourquoi on l'a pris? Avec quel mandat? Est-ce un mandat de perquisition? Est-ce... Il n'y a rien là-dessus. Rien dessus. On ne sait pas. Il est mort, c'est oublié. Maintenant, vous parlez d'un autre journaliste, il faut qu'on s'indigne. Oui, c'est tout à fait normal. Toutes les violations sont à déplorer. Mais est-ce que ça amène le Camerounais à comprendre que il ne faut pas attendre qu'une nation se pose pour y réfléchir, mais qu'il faut anticiper parfois sur les événements avant qu'ils n'arrivent. Parce que si ce qui s'est passé avec Mwazizi avait intéressé les journalistes, ils auraient mis sur pied des forces de sorte que les syndicats puissent réprimander, de sorte que les syndicats puissent avoir de la répression vis-à-vis des institutions quand cela va se passer. Et là, ce qui s'est passé avec Obama n'aurait pas dû se passer parce que ces institutions, ces syndicats auraient donc agi pour protéger Ernest Obama. C'est comme ça qu'on travaille dans un État qui réfléchit. Et vous voyez que c'est ce qu'on appelle encore l'autodiscipline.
Mais les gens ne sont pas autodisciplinés. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Mais ils ont peur de quoi? De la mort. Je vous ai donc démontré que la mort, c'est quelque chose qui est une vérité vraie. Peu importe ce que vous fassiez, peu importe ce que vous choisissiez, vous allez mourir. Mais vous avez donc le mérite en tant qu'être humain de décider des conditions de votre mort, de décider des raisons de votre mort, de décider des raisons qui font de vous des martyrs, des grands. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle des personnes comme Sankara avec dignité, avec fierté. On parle des personnes comme Patrice Lumumba avec fierté, avec dignité, avec orgueil. On parle des personnes comme Marcus Garvey avec respect, avec amour, avec humilité. C'est de ça qu'il est question. Mais s'ils avaient eu peur de mourir, ils se seraient tous tués. Ils auraient eu peur de dire pour nuit. C'est de ça qu'il est question. Par contre, aujourd'hui, il faut tout faire pour arrêter de plaire. Il ne faut plus taire pour plaire. Qu'il faut dire, il faut parler. Et ce n'est que de cette façon-là qu'on amène des gens à changer. On amène des gens à ne plus avoir peur. Une peur bête, une peur éconduite. Parce que la vraie peur, je vous ai dit, la vraie peur démontre à l'homme sa vraie nature. La vraie nature de l'homme, c'est que l'homme est un être vivant qui a besoin d'avoir quelqu'un qui assure le contrôle de son existence. On a peur parce qu'on sait que on ne contrôle pas tout ce qui se passe autour de nous. On a peur parce qu'on sait qu'on n'a pas les armes pour se défendre contre tout. On a peur parce qu'on sait qu'on a besoin d'autres personnes autour de nous pour nous sécuriser. On a peur parce qu'on sait qu'il y a une absence de sécurité. Et c'est pour ça que je vous ai dit dans la première partie que les dictateurs sont donc la preuve vivante que la dictature n'est pas le symbole du pouvoir, non, mais c'est le symbole de la personnification de la peur. Ces gens, ces ministres, que ce soit Jafam Dongo, de Jafam Dongo à celui que vous appelez Kérosène Kouanié, ce sont des éternels épeurés. Ils sont morts de trouille. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils ont besoin tout le temps d'argent pour être prêts à fuir au moindre clic. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils sont toujours entourés de soldats avec des armes chargées jusqu'aux dents. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'à tout moment donné, quelque chose puisse se passer. Les gens qui n'ont donc pas peur sont des personnes comme le professeur Maurice Kamto, qui sont là, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de sécurité renforcée, ils n'ont pas de maison avec des bunkers souterrains, mais ils disent tout haut ce que les gens pensent bas. Et rien que pour cela, il faut respecter le personnage. Rien que pour cela, il faut accepter le sacrifice qu'il fait, parce qu'il sait qu'il va mourir, mais il a décidé que sa mort va être un processus qui va ouvrir les yeux aux Camerounais. Et c'est ça qu'il faut voir de positif dans ce qu'il fait. C'est ça qu'il faut comprendre dans la démarche du professeur Maurice Kamto. Et c'est pour ça que votre vie à vous aussi devrait être une source d'inspiration pour ceux-là qui demain vont entrer dans votre registre privé, pour ceux-là qui demain vont lire l'histoire du Cameroun dans les années 2018. Ils comprendront qu'il y a des personnes qui ont mené le combat. C'est de ça qu'il est question. Je vous ai donc démontré à travers ces éléments, pour finir avec l'élément qui était celui sur la perfection, pour dire que le Camerounais que nous sommes, l'Africain que nous sommes, voulons que tout soit parfait. Et pourtant, nous ne représentons pas les critères de la perfection. Rien n'est parfait. La seule chose qui soit parfaite, c'est la vie. Parce que la vie est parfaite. Elle ne peut pas être reproduite. C'est parce que l'homme n'est pas parfait, il ne peut donc pas produire quelque chose qui est parfait. C'est comme si vous demandez à mon laptop ici de se produire, se reproduire et de se cloner lui-même. Ce n'est pas possible. Pour réparer un laptop, il faut être en dehors du laptop. Pour être parfait, il faut être en dehors de l'imperfection. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on ne peut donc pas espérer aujourd'hui qu'un gouvernement qui est imparfait soit celui-là qui va produire de la perfection. Ça ne marche pas. Par contre, si on enlève ce gouvernement qui n'est pas parfait et qu'on substitue à un gouvernement qui est mieux, qui est meilleur dans le plan de l'amélioration des conditions de vie des hommes, on aura des résultats différents. Parce qu'on sera quitté au moins de 0 à 1. Il faut comprendre que dans la vie, il ne faut pas faire beaucoup pour avoir de bons résultats. Je vous ai démontré quand j'arrivais au dernier point que l'élément fondamental dans la vie de l'homme pour qu'il s'épanouisse, c'est de créer un environnement de joie. C'est de faire des simples compliments aux gens autour de vous. C'est de voir en l'action que chacune pose, que chacun pose, un élément positif. Arrêtez de voir le mal dans ce que les gens font, mais voyez ce qu'il y a de positif dans l'acte qu'ils vous posent. Arrêtez de voir arrêtez de négativer ce qu'il y a à l'intérieur de ces actes. Vous voyez toujours un peu de positif dans les gens. C'est comme ça qu'on avance une société.
Il faut voir au-delà de tout ce que nous avons sur terre, comprenez la symbolique des choses. Il ne faut pas faire trop pour devenir riche. Pour ceux qui croient qu'il faut être, il faut travailler de 5 à 23 heures pour être riche, ce n'est pas possible, non. Il y a des petites choses qu'il faut faire. Comprenez comment la vie fonctionne. Comprenez les mécanismes de la vie. Tout vient facilement. Il existe 10 chiffres. Attends, est-ce que j'ai même raison? Il existe 10 chiffres. 0, 1, 2, 3, 4. Bon, je crois bien 10. Je crois bien 10. Attends, est-ce que je suis sérieux là? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, mon cerveau fonctionne encore bien. Ces 10 chiffres-là ont permis de créer tout un système mathématique, physique, algèbre, la plupart des sciences, l'ordinateur, les codes de l'ordinateur. Non, si on compte le zéro, non, à moins que je me trompe. Les codes, l'ordinateur, vous voyez que dans l'ordinateur, il y a les mots, comme par exemple E, il y a F, il y a F, il y a E, il y a ce qu'on appelle les bits. Il y a les bits, il y a les 0, 0, 1, les 1, 1, 2, les binaires, tout ça sont des chiffres. Regarde ce qu'on a créé avec. La couleur, il y a combien de couleurs sur Terre? 7 couleurs, les plus connues sont 7. Les couleurs de l'arc-en-ciel, 7 couleurs. Regardez ce qu'on arrive à faire avec les couleurs. La musique a 7 notes. 7 notes musicales. Do, ré, mi, fa. Toutes ces notes-là, regardez le nombre d'artistes qu'il y a sur Terre aujourd'hui. Regardez les variations de musique qu'il y a aujourd'hui avec 7 notes, 7. On a 10 doigts, 10. Regardez les choses qu'on a créées avec 10 doigts. C'est pour vous dire que il y a encore tellement à découvrir dans l'homme. L'Occident aujourd'hui a montré au monde entier ce qu'il savait faire. Et vous voyez que ce que l'Occident a pu produire, c'est ce qu'on appelle l'industrie. Et si on peut dire quelque chose de l'industrie, c'est que c'est l'industrie qui est en train de détruire le monde. Avec les déforestations, le déboisement, les extractions incontrôlées, incontrôlables des ressources premières qui sont en train de détruire l'écosystème du monde. Qu'est-ce que l'Afrique a donc à proposer? C'est à l'Afrique aujourd'hui, ça c'est le siècle de l'Afrique, de se lever maintenant et de proposer donc sa façon de voir le monde aux gens. Et l'Afrique a tout le temps dit, nous on a l'amour, nous on s'aime entre nous, nous on a la chaleur. C'est maintenant le moment de démontrer cette chaleur-là. C'est le moment maintenant de montrer aux autres Camerounais qu'on sait les aimer. Parce que il n'y a pas une âme qui puisse tuer l'amour. Il n'y a pas une âme sur terre qui puisse tuer l'amour. Le vrai amour, pas l'amour bancal qu'on a. Non, pas ça. Le vrai amour. L'amour qu'on a pour son pays, quand on aime son pays. Ah non, on ne meurt pas comme ça. Non, 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 on ne meurt pas comme ça. Je vous assure. On ne meurt pas comme ça. Donc. C'est ce que je voulais échanger avec vous et j'ai fini avec le point qui était celui de l'autodiscipline. Donc, j'ai fait le résumé là pour que ceux qui viennent d'arriver comprennent ce dont on a parlé avant que je ne conclue. Donc, l'autodiscipline. Je me demandais ici avec vous de savoir si est-ce qu'un peuple qui n'est pas autodiscipliné peut aspirer à être libre. Un peuple qui n'est pas capable de se réveiller et dire que bon, pour que je sois un peuple sérieux, respecté, il faut déjà que je respecte ma population. Il faut déjà que je permette à ceux qui travaillent de gagner de l'argent. Il faut déjà que j'arrête de voler mon pays pour donner les ressources là à l'étranger. Les béaba comme ça. Ce peuple-là sera respecté. Parce que si ce peuple travaille bien, c'est comme le Rwanda. Il travaille. Si maintenant le Rwanda est attaqué, il y a des pays qui vont vouloir soutenir le Rwanda parce qu'ils vont trouver injuste, abject, qu'on veut détruire un pays qui est en train de se former comme celui-là. Mais s'il si y a trois pays, quatre pays, cinq pays, six pays qui commencent à se lancer dans cette voie-là, ils vont dire soit vous les Occidentaux vous engagez dans une guerre ouverte avec nous, mais nous, nous ne vous donnons plus nos ressources premières. Nous ne payons pas la dette et nous ne payons pas, nous ne vous donnons plus nos ressources premières. Nous considérons que ce que vous avez pris jusqu'aujourd'hui suffit. Basta. Nous, on dit qu'on ferme les frontières. Tous les Africains qui sont à l'étranger, là, on rentre chez nous en Afrique. Pour ceux qui veulent rester en Europe, que Dieu vous accompagne. Nous, on rentre chez nous en Afrique. On va manger, même les mangues, même les mangues, on va manger. Les guayavis, on en a. Les citrouilles, on va manger. On ne peut pas mourir. Par contre, ici en Europe, quand on va fermer les frontières de l'Afrique à l'Europe pendant 2 mois, 2 mois, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Les voitures qui sont parquées là ne fonctionnent pas avec l'oxygène. Les entreprises qui tournent 24 sur 24, H24 là, 7 sur 7 là, ces entreprises là ne fonctionnent pas avec l'oxygène ou le carbone, non.
C'est quand on va fermer ça pendant 2 mois, vous allez comprendre la chute du cours de toutes les matières premières au niveau du marché international, du World Trade. Vous allez comprendre le pouvoir que l'Afrique a. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas intérêt à laisser l'Afrique s'émerger. Parce qu'une fois qu'elle émerge, elle va décider elle-même du prix de ses ressources. Et là, ça va tuer toute l'économie du monde. Même la Chine, qui est aujourd'hui vue comme la potentielle première puissance, ne peut rien dire face à l'Afrique. C'est pour ça qu'il faut absolument faire croire à l'Africain qu'il ne peut être épanoui que si on l'aide. On n'a pas besoin d'aide, on veut être seul. C'est ça qu'il faut. Donc, mes frères, j'espère que vous passerez une bonne soirée, mais méditez sur cette question de savoir si est-ce qu'un peuple qui n'est pas autodiscipliné peut aspirer à être libre. Donc, merci encore, mes frères, de m'avoir suivi ce soir. C'est toujours un plaisir partagé d'échanger avec vous. Je vous dis encore, moi j'ai un seul salaire. Attendez, d'ailleurs, que je mette. Moi, Stevie Sam, je n'ai qu'un seul salaire et mon salaire, vous le connaissez. Je ne prends pas d'argent, je n'ai pas de PayPal, je n'ai pas de Litchi. Mais mon salaire, tous ceux qui sont sur ma page savent quel est mon salaire. Et mon salaire, je le jalouse parce que c'est. Voilà. Je vous mets pas où on me paye. Hein. Je vous mets pas où on me paye. C'est le seul salaire que je revendique, moi. Voilà. Je vous envoie mon porte-monnaie là-bas. Le seul moyen de me soutenir, c'est juste de cliquer sur le lien que j'ai mis là-bas et de vous abonner. C'est tout ce que je vous demande. Parce que je migre vers YouTube. Pour la promotion et tout ça, ce sont des produits que je fais sur le plan professionnel. Donc, il va falloir me contacter professionnellement. Mon numéro de téléphone est sur ma page, c'est connu. Donc tu me contactes et on en parle, on voit comment on peut faire ça. Ce sont des choses que je ne fais pas en direct. Je ne sais pas ma vie professionnelle de la vie que j'ai sur les réseaux sociaux pour qu'il n'y ait pas d'amalgame avec les gens. Je rappelle encore que le seul moyen pour que je puisse avoir un soutien de votre part, c'est que vous vous abonniez à ma page YouTube. C'est ce que je demande, la seule chose que je demande. Et à côté de ça, je vais rappeler que demain, donc mercredi, à partir de 20 h, il y a une formation que je donne via Zoom sur ma page. Bon, pas officiellement, donc avec Zoom pour ceux qui. Le lien est sur ma page. Ça permet à tous ceux-là qui veulent apprendre à prendre la parole devant les gens, ceux qui ont peur de parler en public, ceux qui ne comprennent pas comment est-ce qu'on fait pour débattre, ceux qui ont parfois des entreprises qui veulent défendre, qui ne savent pas comment défendre l'entreprise, ceux qui veulent prendre la parole juste en public et ne savent pas comment le faire. Beaucoup parmi vous veulent faire des lives, mais n'ont pas le courage d'engager les lives parce qu'ils se disent que ce qu'ils vont dire va être moqué, va être tourné en dérision. C'est pas vrai. C'est important que vous appreniez à prendre la parole parce que chaque être humain est un leader en puissance. Et le leadership, ce n'est pas la capacité seulement de diriger les hommes, non. C'est la capacité de choisir les actions justes, de choisir les mots justes pour galvaniser les gens. Et c'est cette phase capacité de galvaniser les gens qui font de vous un leader parce que vous assurez ce qu'on appelle le lead, la tête. Vous amenez les gens à vous suivre. Et ce comportement, cette caractéristique-là est en tout homme, en toute femme. Ça vous permet vraiment de vous en sortir dans le monde entier, où que vous soyez. Et il faut que vous appreniez ça. Donc, chers amis, en attendant vos abonnements sur mon YouTube, je vous souhaite donc déjà de passer une bonne nuit. Merci encore à tous ceux qui étaient connectés. Je dis joyeux anniversaire encore à Ushiga. Donc, porte-toi bien. Et voilà, pour ce qui concerne ta promotion, je le fais de façon privée. Je préfère faire ça en privé. Et rester connecté à Facebook. Et sachez que le Cameroun doit changer absolument. Et nous y travaillons, vous y travaillez. Mais cela passe par l'épuration de nous-mêmes déjà. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit.